Recevoir ici avec l'entreprise FH pour vous présenter brièvement ce qui est en train d'être fait. Donc nous sommes sur la langue de Barbarie qui, avec l'île Essor qui est du côté du continent, constitue les trois entités de Saint-Louis. Vous constatez bien que la langue de Barbarie, c'est cette bande de terre entre l'océan Atlantique et le fleuve. Cette bande de terre est longue de 25 km avec une largeur qui varie de 20 à 400 mètres et recevant 55 000 habitants, dont les trois quarts vivent d'activités de pêche. Cette langue de Barbarie, déjà entre 1927 et 1930, on a construit un mur. Ce mur a connu des détériorations en 1950. On voit ici des images d'archives. Mais aussi en 1955, on voit des images d'archives et aussi de la visite d'élus pour constater les dégâts. Ce phénomène s'est accentué à partir de 2000. On voit ici, entre août 2013 et août 2017, l'avancée de la mer, qu'on voit que la bande de plage a totalement disparu. Donc ce mur, construit en 1937, a connu beaucoup d'affaissements à partir de 2015. On le constate ici, des images qui montrent ces affaissements. Donc voilà ce mur qui conduit à plusieurs endroits. C'est un mur de protection de cette langue de Barbarie qui a connu plusieurs affaissements. Et avec la disparition de ce mur, donc on a eu l'effondrement de beaucoup de bâtiments. Ça, c'est le quai de pêche. C'est le bâtiment qui est mitoyen avec là où nous sommes à l'école. Et on voit aussi des démolitions de logements ici représentés. Ceci a poussé l'État et la commune a premièrement logé les habitants dans des tentes, le temps de commencer des travaux d'urgence. Avant, les populations ont essayé, tant bien que mal, le temps qu'on commence les travaux, de faire des protections sommaires, mais ça n'a pas résisté. C'est pourquoi l'État, sur ressources propres, a entamé des travaux d'un montant de 4 milliards de francs CFA réalisés par l'entreprise FH. 6 millions d'euros représentés par l'entreprise FH, ici représenté par son directeur général. Donc, le film qui va se dérouler rapidement va montrer brièvement la consistance de ces travaux. Il s'agit là d'une bande de terre en forme de angle tordu entre l'océan Atlantique et le fleuve Sénégal. Déjà menacé entre 1927 et 1930, un mur de protection a été réalisé pour faire face à l'agressivité de la mer. La vétusté du mur, combinée aux effets des changements climatiques observés ces 10 dernières années, ont fini de fragiliser la langue de Barbarie face aux assauts de la mer. Aujourd'hui, plus que jamais, des centaines de familles sont dans une psychose permanente, assistant impuissantes à la destruction de leurs maisons par l'érosion côtière. De 2008 à 2010, les quartiers de la langue de Barbarie ont subi une forte avancée de la mer, entraînant des effondrements de maisons et d'édifices publics. La partie extrême nord du quartier de Gorombach a été complètement engloutie par la mer sur environ 700 mètres. Face à cette situation,
l'État du Sénégal a initié un projet d'urgence de protection côtière des quartiers de la langue de barbarie. Ce projet, porté par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en partenariat avec la commune de Saint-Louis, est mis en œuvre par l'Office des lacs et cours d'eau au lac. Le projet, structuré autour de deux composantes, a vu sa première phase démarrer pour un coût de 4 milliards de francs CFA, entièrement pris en charge par l'État du Sénégal. Il s'agit de réaliser, sur un linéaire de 1 km 700, un ouvrage mixte composé de deux rangées de matelas Renault de 3 x 2 x 0,23, dont une rangée en fondation et une rangée en surface. Trois rangées de gabions de 2 x 1 x 1 mètre et de deux rangées de géobac de 3 x 1,4 x 0,7, soit un poids de 5 tonnes. L'ouvrage, d'une hauteur de 1,83 mètre, permet à terme de protéger les habitations contre l'érosion côtière. Aujourd'hui, les travaux de protection des quartiers de Gorumbach, Santiaba, donnent un sentiment de satisfaction aux populations de la langue de barbarie. Nous nous inquiétions à chaque fois que la mer était agitée. La nuit, on n'osait même pas dormir. Nous avons à chaque fois cherché des solutions sommaires. Aujourd'hui que l'État a réalisé cette digue pour nous protéger, nous ne pouvons que remercier le bon Dieu. Cette digue, c'est ce qu'on a toujours voulu. Quand on nous l'a annoncé, on se croyait dans un rêve. On en a vraiment besoin. En plus de ces travaux d'urgence, des études vont être effectuées pour définir les travaux nécessaires de protection durable de la langue de barbarie. Cette bande-là, au nord, on a là, nous avons la Mauritanie. Et le quartier de Gorumbach commence par là. Et les travaux en cours présentement se réalisent à ce niveau-là. Alors le mur de 1927 en fait a été réalisé entre Ketnar et un petit peu le quartier qui suit, le quartier qu'on appelle le quartier Santiaba, sur 1 km 600 environ. Puisque le quartier de Gorumbach est un nouveau quartier qui date depuis une trentaine d'années environ.